Français. Ah, Huguette. Ah, Huguette. Non, 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 c'est pas Huguette. Non, non, c'est... Oui, mais Huguette, celle avec qui on est entré. Oui, c'est Huguette. Ah non, non. C'est lui qui est aussi à la porte. La ligne est dans ce je ne sais pas ce qu'il y a la ligne. Nous communiquer les dispositions prises par le protocole de son Excellence, Madame la Première Ministre. Comme vous avez constaté, il y a des gens peut-être qui ont été frustrés dès l'entrée par rapport à la sévérité que nous avons installée. Cela est dû, comme vous le savez bien, à la sécurité, à l'ordre et à la discipline. Nous avons privilégié les amis de l'UDPS, les partis politiques, l'Union sacrée, les différentes formations et associations. Pourquoi ? Parce que pour nous, les responsables des associations qui ont envoyé les noms de leurs membres, ce responsable-là est l'unique responsable, si vous permettez, cette tautologie qui est normale, est l'unique responsable de cette personne ou de cette table. C'est comme ça que vous voyez, nous avons mis les mamans de l'UDPS, les jeunes gens du coq, ainsi de suite. Pourquoi ? Parce que pour nous, s'il y a un problème au niveau de la table champ du coq, nous savons que les noms, c'est monsieur Tiba qui nous a remis. Et comme ça, nous avons la responsabilité sur cette personne. Ça, c'est un. Deuxièmement, je veux vous dire... Disciple, son Excellence, Madame la Première Ministre, va faire son entrée. Nous vous informons ce qui suit. Nous avons mis plus ou moins 15 tables. Sur les 15 tables,
il y a un responsable qu'on appelle porte-parole du regroupement ou du groupe ou de l'association. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas d'échange entre nous et son Excellence Madame la Première Ministre. Ici, nous vous communiquons les dispositions qui sont arrêtées et c'est protocolaire et diplomatique. Le responsable Jean Ducoq est l'unique personne qui prendra la parole par rapport à cette table. Le regroupement des mamans UDPS, vous avez votre responsable et l'unique qui va prendre la parole après le speech de Madame la Première Ministre, ainsi de suite. Toutefois, je vais demander ou moi-même je vais passer tout de suite par table pour prendre les noms de ceux qui vont prendre la parole après le speech de Son Excellence Madame la Première Ministre. Nous avons fait cela parce que nous vous avons informé, vous, les associations et groupes, que vous aurez à déposer les mémos. Ces mémos-là vont faire objet de compilation par les services de Son Excellence Madame la Première Ministre et ça va aller au niveau du gouvernement, ça ira au niveau de l'exécutif. Pourquoi ? En principe, les associations que vous êtes, vous devriez normalement déposer dans les temps des mémos, des propositions, des suggestions, des projets au niveau de l'ambassade qui devraient faire l'objet de compilations et envoyer au pays. Parce que c'est l'ambassade qui a la facilité de voir le chef de l'État. C'est l'ambassade qui a la facilité de voir le ministre, c'est le ministre sectoriel bien sûr, ainsi de suite. Pour preuve, il y a une entreprise qui est allée directement vers Madame la Première Ministre, elle a dit « oui, c'est intéressant, mais il faut toujours retourner par l'ambassade ». Mais quand cela ne tient, nous avons déjà demandé, les mémos sont là, on va remettre les mémos, mais à l'avenir. Je vous conseillerai, bien sûr, de pouvoir commencer à envoyer, déposer. Ce n'est pas un débat. Même s'il y a quoi que ce soit, je vous informe seulement la procédure générale qui s'est faite. Quelle est la politique de 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 la
On n'a pas de juste de discours. Dans les forts pour l'indépendance, dressons nos fronts,
ainsi que monsieur l'ambassadeur qui nous a accompagnés dans tous ces différents échanges. J'ai pu rencontrer différents investisseurs, des responsables de banques au niveau continental qui ont pu voir la nécessité de pouvoir faire un tour en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous sommes dans un processus pour diversifier notre économie, la transformer. Et pour cela, c'est vrai que l'État, le gouvernement, nous faisons le nécessaire avec, en augmentant la part des investissements en capital au niveau du budget, mais nous avons besoin du secteur privé pour développer notre pays. Et pour nous, c'est important de pouvoir le faire parce que non seulement nous devons diversifier l'économie, mais nous devons le faire pour créer plus d'emplois. Nous voulons arrêter que les jeunes, qui sont 60% de notre population, continuent à rester sans emploi et soient à la merci des groupes armés à l'est, des colonnes à Kinshasa, etc. Et donc pour ça, il est important qu'on travaille sur cette problématique-là. De la même manière, je pense que pour moi, pas pour moi, pour le gouvernement et pour le président de la République en premier, il est important qu'on continue à travailler sur l'éducation. Pour ça, il y a la gratuité de l'enseignement. Nous avons commencé. Je peux vous garantir, j'ai sillonné le pays pour voir un peu ce qu'on avait pu faire en construisant des écoles dans des endroits où c'était des salles de classe sous les manguiers. Aujourd'hui, certains de nos enfants ont cette capacité de pouvoir aller dans des écoles construites en matériaux durables, mais ce n'est qu'un début, on n'est pas encore arrivé à la fin du processus. En même temps, nous devons aussi continuer à améliorer la qualité de cet enseignement avec la gratuité de l'enseignement, avec la formation des enseignants, mais aussi l'amélioration de leurs conditions de travail. C'est un processus que nous avons lancé. Nous avons commencé des discussions avec les syndicats et nous allons continuer. Mais l'autre chose aussi, c'est de dire améliorer les conditions de travail, la rémunération, mais il faut aussi assainir le fichier parce que nous devons être sûrs de tous les effectifs que nous prenons en charge, que ce sont effectivement les vrais. Et ça, c'est l'autre processus sur lequel nous travaillons. L'autre partie, c'est aussi de travailler sur leur santé. Nous avons commencé avec le processus qu'on appelle la couverture santé universelle. Aujourd'hui, c'est vrai que les femmes enceintes peuvent être prises en charge au moment de l'accouchement ainsi que les enfants de 0 à 3 mois, mais tout n'est pas encore parfait. Il y a encore des choses qu'il faut améliorer. Mais pour cela, je pense que en regardant attentivement ce qui se fait dans notre pays, nous pourrons voir certains changements et je pense qu'en y croyant, on y arrivera tous. Maintenant, je ne vais pas continuer à parler du programme d'action du gouvernement. Je pense que ceux qui sont intéressés ont eu l'opportunité d'en prendre connaissance. Pour moi, il était important, au cours de mon passage ici à Bruxelles, de pouvoir rencontrer la communauté congolaise. Rencontrer tout le monde est assez difficile, ce n'est pas chose aisée, mais je pense que en discutant avec monsieur l'ambassadeur, on a trouvé la meilleure formule qu'on a pu trouver. Elle n'est peut-être pas parfaite, mais au moins avoir une représentation des différents corps associatifs, socio-professionnels est une question qui est assez important pour moi et c'est vraiment l'opportunité que j'ai de pouvoir échanger avec vous. J'ai quitté la Belgique il y a 27 ans. Je ne pensais pas qu'il y a 27 ans que je me retrouverais un jour ici en tant que Premier ministre. C'est vrai, pour beaucoup, certains me disent que c'est un honneur, c'est une fierté, mais pour moi c'est une lourde responsabilité. Et je compte vraiment sur l'apport de tous pour m'aider dans cette lourde charge. Et pour ça, c'est toujours bien de pouvoir échanger avec vous, avoir vous qui avez un regard extérieur par rapport à ce qui se passe chez vous au pays, pour pouvoir me dire ce que vous en pensez, ce qu'il en est pour vous et comment on peut faire mieux. Parce que cet échange est toujours important. Ça permet de mieux canaliser les efforts que nous faisons
Et pouvoir vous écouter nous donne aussi un autre son de cloche plutôt que de rester fermé dans une bulle où on pense qu'il n'y a que nous qui avons la science infuse. Ce n'est pas du tout le cas, raison pour laquelle j'espère qu'on pourra, même si ça ne sera pas possible de donner la parole à tout le monde, mais au moins avoir quelques personnes qui pourront prendre la parole au nom des uns et des autres. Moi, ce que je me suis proposé, et je vous le propose, c'est de passer à chaque table. Mais oui, si, oui. En le faisant, ça veut dire que ça va prendre du temps. Mais moi, je n'ai pas de problème, je suis ici pour vous. Et je sais que Madame Cécile. Je vous remercie.
Cette rencontre. Je sais qu'aujourd'hui c'est un jour ouvrable. Certains d'entre vous avaient des occupations professionnelles, mais vous avez accepté de pouvoir être ici pour qu'on puisse échanger. C'est vrai que le temps, c'était pas évident. Hein. J'ai dû parfois mettre un peu la pression sur certains pour essayer d'abréger. Mais au moins, ça m'a quand même donné l'opportunité d'écouter les uns et les autres et de prêter attention à un certain nombre de préoccupations. Comme je l'ai fait, j'ai demandé aux membres de mon cabinet de récupérer les mémos et il y en avait toujours un derrière moi pour suivre un peu les échanges qui ont été faits. Et je pense qu'en rentrant, on va pouvoir analyser tout ça pour voir comment on peut au mieux répondre à certaines choses. Je ne peux pas vous garantir qu'on aura des réponses tout de suite à tout, mais on va faire de notre mieux pour apporter en tout cas... pour voir comment on peut mettre en place un mécanisme, apporter des réponses ou prendre en charge un certain nombre de préoccupations telles que cela a été reflété dans les différents échanges. Alors, ce qui est important aussi, vous avez vu, aujourd'hui, ceux qui ont pu participer à cet échange, ce sont des gens qui ont pu entrer en contact avec l'ambassade et s'affilier, c'est important. De pouvoir avoir ce contact-là avec l'ambassade parce que ça permet de mieux assurer un échange quand il y a ce type de visite au moins. Plus facilement, on peut regrouper toutes les catégories socio-professionnelles qui existent ici en RDC et pouvoir qu'elles puissent être représentées dans ce type d'échange. Je pense que ça, c'est un élément important. Et donc, il faut vraiment faire passer le mot plutôt, à toutes les autres associations. Parce que sinon, c'est toujours très difficile de pouvoir parler à toute une masse de personnes parce que ça devient difficile à gérer les discussions. Et je pense que même si on n'a pas eu beaucoup de temps ensemble, mais le fait de pouvoir avoir pu discuter avec chacun des groupes ici présents est quelque chose d'important. Et moi, je pourrais aussi, une fois rentrée au pays,
faire le point avec que ce soit son Excellence Monsieur le Président de la République ou bien aussi les différents ministres sectoriels pour faire le point par rapport aux différents échanges que nous avons vus ici, surtout particulièrement dans des situations difficiles comme on l'a vu avec les familles des anciens diplomates ou bien ceux qui sont dans les entreprises publiques et qui sont restés un peu, je dirais pas à l'abandon, mais qui aujourd'hui font face aussi à ces problèmes qu'on a eu de faillite d'entreprises publiques. Donc il faut qu'on arrive à trouver des solutions et on travaille pour ça. Et sinon, pour tout le reste, tous les autres, je suis de cœur avec vous et au niveau de ma responsabilité en tant que chef du gouvernement et coordonnatrice de l'action gouvernementale, on fait le nécessaire pour vraiment mettre en œuvre notre programme d'action du gouvernement et assurer qu'on peut apporter des réponses adéquates à tous les Congolais. Les Congolais en République démocratique du Congo, mais les Congolais aussi de la diaspora, parce que vous êtes nous, on est un en fait. Et je pense que c'est ça le plus important. Merci. Voilà, pour aujourd'hui c'est fini. J'ai encore une dernière journée à Bruxelles demain, mais j'ai encore d'autres rendez-vous. Mercredi matin, je rentre chez moi. Et chez moi, on pourra se retrouver. C'est vrai que je n'ai pas l'intention de faire beaucoup de voyages à l'étranger, parce que je pense que c'est important pour moi de continuer la tournée que j'ai commencée au niveau des provinces. Mais dès que j'aurai l'occasion de revenir à Bruxelles, je ne manquerai pas de revenir vers vous. Merci beaucoup. On vous attendra. Merci à la balade.